Mon travail, c'est de faire dialoguer les gens, en fait, de manière à ce qu'ils puissent construire des projets ensemble. J'interviens partout. Partout où il y a besoin de dialogue, du dialogue. Alors des fois dans des contextes, on va dire, sereins, et souvent dans des contextes où il y a des changements, donc où c'est un peu plus tendu. La motivation première, c'est de faire entendre la parole des gens, en fait. Donc c'est les porte-voix, c'est ce travail-là, c'est que nous portons la voix, mais nous permettons aux gens aussi de faire entendre leur voix. Donc ma motivation, elle est là, c'est de faire partie des traducteurs, mais aussi des passeurs, afin que la parole des citoyens soit entendue, mais aussi qu'eux s'emparent de leur pouvoir de dire, en fait. Je fais partie, en fait, sur le projet de démocratie permanente. En 2017, j'ai fait partie du réseau des activateurs, mais j'ai animé des fabriques citoyennes, dans lesquelles, effectivement, nous faisions, puisque nous étions nombreux, nous animions des temps d'échange entre des citoyens, des élus, des professionnels, enfin, toutes sortes de gens qui voulaient parler de la démocratie. Ça les oblige à... Moi, mes envies, ce serait plus que des citoyens s'emparent. C'est-à-dire des initiatives dans lesquelles ils se sentent en confiance pour pouvoir réaliser. Ça, ce serait vraiment moi. Ce serait ce travail que nous, on a fait, puisse permettre à des citoyens, quels qu'ils soient, à leur tour, de prendre part à des propositions, à des projets et à s'engager, en fait, pour faire bouger les choses. On le fait avec les autres. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait de la confiance. En fait, il faut retravailler à la confiance et il faut retravailler au lien entre les gens et qu'ils perçoivent, en fait, l'importance d'être ensemble et de réfléchir à des problèmes de société ensemble. Mais je pense qu'il faut retravailler la question de la confiance et des liens entre les gens pour qu'ils aient envie d'y aller et de proposer des choses qui les concernent, en fait. D'accord.